Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Amélie et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment prendre un rendez-vous directement dans votre espace Amélie après vous être connecté sans passer par le téléphone. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, ça va vraiment permettre que ma chaîne se développe. Donc, pour ce faire, c'est très simple, vous vous connectez. Ensuite, sur le menu principal, vous allez dans Mon agenda et vous cliquez sur l'onglet d'abord Prenez un rendez-vous. Donc on voit qu'on a différents styles de rendez-vous, arrêt de travail, congé paternité, demande de capital de décès, on va prendre soin à l'étranger et en fonction de ça, on a différents minutes. Donc pour soin à l'étranger, ils mettent 15 minutes, pour quelque chose d'autre comme congé maternité, ça va être 30 minutes. On prend un petit exemple avec soin à l'étranger. Donc on a trois étapes, motif, information, lieu et date. Donc je fais suivant. Là, je vais chercher une agence où je vais prendre un rendez-vous. Plutôt un endroit où je vais prendre rendez-vous. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Et une fois que j'aurai terminé de prendre le rendez-vous, je vais revenir en arrière. Je vais aller dans mes rendez-vous. Et ici, normalement, je vais voir que mon rendez-vous a bien été pris. Donc, c'est une petite astuce qui peut vous permettre, si vous voulez prendre un rendez-vous sur ces motifs, de le prendre directement sur le compte Amélie sans avoir besoin d'appeler ou vous déplacer pour prendre un rendez-vous. Ça peut vous faire gagner du temps. Donc voilà, c'était une petite astuce pour vous aider et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces Amélie. A plus la team. Pour retrouver d'autres astuces sur Amélie, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, cliquez sur toutes les playlists et cliquez sur les playlists créées. Vous descendez jusqu'à trouver la playlist Astuces Amélie. Donc pour l'instant, je n'ai que 4 astuces Amélie dans cette playlist, mais bien évidemment, je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles vidéos. A plus la team !